La Garmin Enduro 2. Garmin. Pourquoi? Pourquoi? Allez, c'est parti. La Garmin Enduro 2. Et pourquoi? Écoute, je l'ai reçue seulement depuis quelques heures. Tout ce que j'ai fait à date, c'est de la déballer. Elle est juste là. Et mon pourquoi, hein, c'est parce que très dernièrement, Garmin a sorti ces trois montres-là. La Fenix 7X, la Epix et la Tactix 7. La Epix 2. Ces trois montres, pareil, presque. Attention, j'ai pas les bracelets d'origine sur chacune d'entre elles. On a la Fenix, on a la Tactix, on a la Epix. C'est trois fois la même montre dans des boîtiers différents. La Epix a un écran AMOLED qui la rend super belle. La Fenix, c'est la montre centrale de tout ça. Et la Tactix, c'est une Fenix dans un boîtier plus militaire. C'est la montre que je porte à tous les jours, simplement parce que je préfère son look à la Tactix. Mais là, il vient de sortir la Enduro 2. La Enduro 1, c'était une montre qui était pareille à la Fenix 6, sans carte, avec une plus grande durée de batterie, si je me souviens bien. Donc là, la Enduro 2 versus la Fenix 7. En passant, si tu veux voir ma critique sur cette montre, sur la série de montres Fenix, Tactix, Epix, comme c'est toute la même montre, j'ai fait une vidéo, tu peux aller la voir juste ici. Et très probablement, je peux pas encore le dire avec certitude, mais je suis pas mal sûr à 99% que ça va être ça une fois que je vais avoir terminé de la tester. Et la tester, ça va prendre plus d'un mois parce qu'elle a une batterie vraiment incroyable. Mais je pense que ça peut se jumeler dans exactement la même critique. Alors, c'est quoi la différence entre la Fenix et la Enduro 2? Eh bien, les deux principales différences sont que celle-ci a une plus grosse batterie et une flashlight plus forte. Ça, c'est le fun, par contre. Ça, c'est vraiment très, très le fun. La flashlight, si je viens comparer, par exemple, avec la Fenix, peut-être que ça va être un peu dur à voir comme ça à l'écran, mais ça, c'est la Fenix et ça, c'est la Enduro 2. Je pense que c'est quand même assez visible. La Enduro 2 éclaire relativement plus fort. Je dirais ça ressemble au double. Ils disent pas en lumen c'est quoi l'éclairage. En fait, ils vendent pas nulle part sur... ils vendent pas nulle part, mais je l'ai remarqué. C'est beaucoup plus fort. J'ai hâte de le tester de soir. Maintenant, au niveau bracelet, elle vient avec ce bracelet de nylon. Le Ultra Fit qui appelle, en plus du bracelet de silicone qui vient aussi avec la Tactix et la Tactix Pro et la Fenix 7, peu importe laquelle que tu prends. Et si tu vas avec la Tactix Pro, tu vas aussi avoir un bracelet en nylon, mais le bracelet de nylon de la Tactix est beaucoup plus rigide que celui que tu vas avoir sur la Enduro 2. C'est un bracelet qui se met... Je l'ai essayé quelques jours avec... Je l'avais commandé pour l'essayer sur mes montres. Et c'est pas un bracelet que je peux dire que j'aime vraiment. Je le trouve un peu long à mettre. Mais c'est vrai que tu peux vraiment le mettre à très précisément à la pression que tu veux. Pour faire une activité sportive, c'est quand même génial. Ce que j'aimais moins de ce bracelet-là, c'est que je trouve que ça fait un poids déséquilibré. Tu te retrouves avec un plus gros poids sur le dessus et presque pas de poids à l'arrière. Alors, je trouve que tu sens plus le poids de la montre que si on y va, par exemple, avec un de mes bracelets favoris,
celui en titanium ventilé, qui est beaucoup, beaucoup plus lourd. Par contre, ça vient, je trouve, équilibrer le poids au-dessus et en haut. Mais ça, c'est un goût personnel, tout simplement. Mais ça se change très facilement. Tu peux mettre n'importe quel des bracelets. Tu tires, ça enlève, et si tu veux aller mettre un autre bracelet plus régulier, ça te prend juste les Garmin Quick Fit et tu viens les installer dessus là, très facilement. Je pourrais rechanger le dessus aussi, ça se fait très bien. Pour le remettre, il suffit de venir ici en coin comme ça, de forcer un peu et ça passe relativement facilement et tu peux aller remettre ta montre à ton poignet. Qu'est-ce que j'ai regardé dans les différences sur le site web de Garmin en comparant? Donc oui, plus de batterie, plus de flashlight. Par contre, moins de choix de personnalisation. C'est-à-dire que quand tu prends une Garmin Fenix, tu peux avoir le modèle S, donc pour le plus petit, la Fenix 7 standard pour le modèle medium qui est de la même grandeur que la Epix. Et tu peux avoir le modèle X qui est le plus grand format. Dans tous ces choix-là, tu as le choix entre un verre en cristal de saphir ou Gorilla Glass. Tu as le choix entre quelques couleurs de contour. Tu vois, par exemple, sur celle-ci, j'ai pris le noir. Mais j'avais le choix aussi entre le blanc et le gris charcoal ou quelque chose comme ça. C'est à peu près les options que tu as. Mais tu as beaucoup de variétés de modèles chez Fenix. En plus que tu peux dire que tu peux aller chercher une Tactics qui a exactement les mêmes spécifications, mais dans un boîtier différent avec des options militaires. Et quand tu te rends chez Enduro 2, c'est le seul choix que tu as. Donc si tu la veux noire, c'est pas disponible. C'est quand même beau, hein? C'est le gris charcoal qui est là. C'est une belle montre, je trouve qu'elle ressort super bien. J'aurais préféré l'avoir en noir. Parce que sur papier, elle est meilleure que ma Fenix ou ma Tactics à cause de sa plus grosse batterie et de sa flashlight que j'utilise déjà plusieurs fois par jour. Comme celle-ci est plus forte, que la batterie dure plus longue, c'est à peu près certain que c'est la montre qui va finir à mon poignet, qui va rester là tout le temps, jusqu'à temps qu'il y ait une nouvelle meilleure montre. On a toujours l'écran tactile, c'est tout pareil. Mais c'est ça, c'est le seul choix que tu as, tu ne peux pas en avoir une plus petite, c'est la plus grosse que tu dois prendre et c'est la seule couleur disponible. J'aime les petites touches de vert, par contre j'aurais peut-être même mieux ne pas l'avoir sur ma montre de tous les jours. Je trouve que ça se rapproche plus d'une montre dite sportive, alors que celle-ci passe pour une montre chic. Ou la Tactics aussi. Voilà. Là, clairement, ça fait montre de sport. Ce qui est bien dans certaines circonstances. Dans d'autres, j'aimerais mieux avoir de quoi de plus sobre. Ensuite de ça, hein, on va y aller au niveau des prix. C'est quand même intéressant à regarder. Si on y va en dollars canadiens, on va comparer des pommes avec des pommes, comme la Fenix se fait dans plusieurs modèles. On va y aller vers le modèle le plus similaire, c'est-à-dire avec le verre en cristal de saphir, avec la charge solaire, parce que oui, ici aussi, on a une charge solaire. Est-ce que... Ah non, ça doit être pareil. Je me demandais si le chargeur solaire était plus gros, mais non, ça semble être identique. Peut-être pas. C'est peut-être un petit peu plus gros, ou c'est pareil. À valider. Donc c'est ça, modèle Fenix 7X solaire, parce qu'elle aussi est solaire. On peut aussi rentrer la Tactics. Donc, la Fenix. La Fenix est 1300$, alors que la Enduro est 1429$, soit 129$ de plus. Et on parle de 1700$ pour la Tactics. Donc la Tactics est encore plus chère, même si sa batterie ne dure pas aussi longtemps et que sa flashlight est moins forte. Si on y va maintenant en euros, eh bien pour la Fenix, on parle de 1000$, 1100$ pour la Enduro, donc 100€ de plus, et 1300€ pour la Tactics. J'ai été avec les prix de la France
Voilà. Ah! Intéressant. Là, c'est très léger, mais je l'ai remarqué uniquement en allant voir sur le site de Garmin. La Enduro 2 est 0,7 mm plus épaisse que la Phoenix ou la Tactix. C'est probablement que... est-ce que... tu es peut-être capable de le voir un tout petit peu. C'est légèrement, très légèrement plus épais. Mais ça paraît. Quand tu les mets les deux là, sur le bureau, tu regardes, la Enduro 2 est définitivement plus épaisse. Pourquoi? Probablement simplement parce que la batterie est plus grosse. Il n'y a pas de magie là. Si la batterie elle dure plus longtemps, c'est parce qu'elle est physiquement plus grosse. J'imagine. Sinon, je ne vois pas pourquoi qu'il y aurait mis le boîtier plus gros. Ce qui fait que, attention, si on regarde sur le site de Garmin, on va voir que la Phoenix, avec son bracelet d'origine en silicone, fait 89 grammes, alors que celle-ci, avec son bracelet de nylon, fait 70 grammes. Donc oui, quand même, hein, c'est 19 grammes de moins. Par contre, c'est vraiment seulement à cause du bracelet. J'aurais dû comparer ces deux-là. Donc oui, vraiment, même si elle est plus grosse, qu'elle a une plus grosse batterie, ces deux-là, la Tactix fait le même poids que la Phoenix. La Enduro 2 est définitivement plus légère. Par contre, si on parle uniquement du boîtier, le boîtier de la Enduro 2 fait 64 grammes versus 61 grammes contre la Phoenix. Donc, le boîtier est légèrement plus lourd, de 3 grammes. Donc, si tu mets le même bracelet sur chacune des montres, tu vas avoir 3 grammes de plus sur la Enduro 2. Maintenant, si on parle d'estimés de batterie, et ces estimés-là sont généralement très fiables, petite différence, bonne différence. Si on compare encore la Phoenix à la Enduro, la Phoenix va donner, on va y aller seulement avec les chiffres sans charge solaire. Dis-toi juste que c'est plus long avec la charge solaire. Donc, si on exclut la charge solaire, chez Phoenix, en mode montre de tous les jours, en mode montre intelligente, c'est-à-dire qu'elle va te montrer l'heure, tes pas, elle va calculer tes pulsations cardiaques, elle va t'afficher la météo, ce genre de choses-là. Tu vas faire 28 jours de charge avec la Phoenix, on monte à 34 avec la Enduro. En temps de GPS, c'est 89 heures chez Phoenix et 110 heures. 21 heures de plus chez Enduro. En GPS, on a 63 heures sur la Phoenix. En GPS double fréquence, donc avec plusieurs satellites ensemble, 63 heures chez Phoenix, 67 chez Enduro 2. En mode musique, c'est 16 heures avec des écouteurs Bluetooth chez Phoenix, 20 heures, 4 heures de plus chez Enduro. Et en mode expédition, on parle de 62 jours chez Phoenix, alors qu'on en a 77 chez Enduro. Si on monte avec la charge solaire, eh bien, en mode montre intelligente, on pourrait monter avec 3 heures de forte exposition au soleil à tous les jours. On pourrait monter à 46 jours. En mode GPS, 150 heures. En mode GPS double fréquence, 96 heures. Et en mode expédition, 172 jours. En mode expédition, ça ne prend pas beaucoup de géolocalisation par jour, probablement environ une fois à l'heure. Donc, qu'est-ce que je pense que je vais faire avec cette montre-là? Effectivement, c'est sûr, je vais la tester. J'ai vraiment l'impression que ça va devenir ma montre de tous les jours, simplement parce qu'elle a une meilleure flashlight et une meilleure batterie. La batterie, écoute, la Phoenix, la Tactix, ça dure déjà tellement longtemps, c'est pas nécessaire que ça dure plus longtemps, mais la flashlight, je l'utilise tellement souvent, juste parce que je l'ai là, à mon poignet. Je trouve ça tellement pratique. Du fait d'en avoir une plus grosse, juste pour ça, pour moi, je trouve que ça vaut la peine de la changer. Du moins, parce que je l'ai déjà. Je ne changerais pas ma montre Tactix si je n'étais pas testeur de montre. J'aurais gardé ma Tactix
au poignet. Mais bon, voilà, c'est là où est-ce qu'on en est. Je vais probablement que ce que je vais faire, c'est que je vais changer le bracelet parce que je suis pas fan. Je suis pas fan de ce bracelet-là et ça me dérange pas que ma montre soit lourde. Je vais alterner, comme je le fais déjà, là, entre le bracelet de la Tactix et le bracelet de titanium ventilé. C'est ce que je crois qui va finir par arriver, mais je vais me reforcer à utiliser ce bracelet-là, simplement pour le tester. Je l'aime pas non plus parce qu'il est laid. C'est une montre à 1400$ avec un bracelet LGBO. Pas LGBO, il y a quand même une certaine qualité dedans, mais ça a l'air d'un bracelet de montre de Walmart. Voilà. Donc, voilà. Je vais très probablement te la recommander dans quelques jours. je pense que c'est un achat à coup sûr. C'est une Phoenix 7X sur les stéroïdes. Voilà. Donc, pourquoi? Pourquoi? J'aurais aimé que la Phoenix soit simplement cette montre-là, avec plus de choix, de couleurs et tout. Je comprends pas pourquoi cette montre-là est dans le catalogue de Garmin. C'est une copie des autres avec une plus grosse batterie et une plus grosse flashlight. C'est tout. C'est vraiment tout. Bon! Alors, ça fait le tour pour aujourd'hui. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu as besoin d'aide pour trouver le produit en ligne, tu peux toujours regarder avec mes liens dans la description. N'oublie pas non plus de me laisser un pouce en l'air et de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin de voir une critique sur un certain produit. Allez, fais attention à toi et à bientôt. Salut!